Guan Yunshang était la droiture même. Si un tel homme peut connaître une telle fin, qui restera-t-il pour garder la voie? C'était un agneau autant qu'un homme droit. Il était pétri d'une très grande bonté. La droiture du général était pure compassion. Guan Yu était un saint. C'est une très grande perte. Physiquement, il avait l'air d'un loup. Mais dans ce corps de loup vivait une âme d'agneau. Dans un monde de violence. Un monde dirigé par des loups. Un monde dirigé par des loups. Il y a 20 ans, les Han régnaient sur un empire ravagé par la guerre. Moi, Cao Cao, à la tête de forces modestes, je luttais désespérément pour stabiliser cet empire. Yuan Chao entra en rébellion. Il attaqua mon armée par surprise à Bema. Il avait confié le commandement de ses troupes au général Yan Liang, qui fondit sur la ville à la tête d'une puissante armée. Jusqu'à ce jour, nous avions toujours eu raison de forces même très largement supérieures en nombre. Une défaite à Bema aurait signifié la destruction de la cité et le désespoir de mes généraux. Une perte de territoire, j'aurais pu l'accepter. Une atteinte au moral de mes hommes, jamais. À ce moment-là, Guan Yunshang était mon prisonnier. C'était un guerrier hors du commun. Il était capable d'exploits surhumains. Ses capacités étaient telles qu'il était réputé invincible. Je savais que si je parvenais à en faire une pièce de mon échiquier, infirmier, vite, je pourrais jouer le coup suivant, un coup décisif pour la victoire ou la défaite. Car voilà, cette pièce maîtresse appartenait à Liu Bei. La question était simple. Comment jouer la pièce de son adversaire? Frère Guan, voulez-vous manger avec moi? Manger? En des moments pareils? J'ai besoin d'aide. Besoin de votre aide. Acceptez-vous de m'aider? Je suis votre prisonnier. Comment pouvez-vous me demander de l'aide? Écoutez, pouvez-vous tuer quelqu'un pour moi? Si je tue ce quelqu'un, les combats cesseront. Oui, ils cesseront. Qui est-ce? Nous avons le temps. Restaurez-vous d'abord. Me restaurer. Je mangerai ensuite. Ils attaquent au bélier. Repoussez-les. Oui, général. Guan Yu est un général ennemi. Pourquoi combattrait-il pour nous? Général ennemi? Qui ici ne l'a jamais été? Libérer un tigre et il regagnera aussitôt son antre. Frère Guan, y a-t-il parmi mes 5000 hommes un seul capable de vous retenir? Il me faut 30 cavaliers. Qui en est? Nous avons tous déjà servi différents maîtres, mais nous n'avons jamais été frères d'armes. Pour la bataille d'aujourd'hui, je vous demande d'oublier le passé et de combattre avec moi. Vous êtes tous réellement mes frères. Et si personne ne s'y oppose, j'aurai l'audace désormais de vous traiter en tant que tel. Frère, je vous prie d'accepter mes respects. Moi, Zhang Liao, je combattrai à vos côtés. Qui d'autre en est? Dans ce cas, frère, à l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque!
Sa Majesté l'Empereur. Guan Yu, ici présent, est fait marquis de Han Chuting et lieutenant général de l'armée impériale. Je ne mérite pas ces honneurs. J'en suis totalement indigne. Frère Yun Chang, vous êtes loyal, vous êtes droit. Vous méritez ces honneurs. Sa Majesté est en péril, et je ne fais rien pour la protéger. Est-ce là être loyal et droit? Comment cela? Vous voulez dire que la vie de Sa Majesté est actuellement menacée? Il est formellement interdit de se présenter en armes au palais impérial. Mais tous ici, pourtant, sont armés. Il est on ne peut plus clair que la rébellion couve au palais. Si tous sont ici en armes, c'est pour protéger le trône. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une rébellion est en marche? Pourquoi Cao Cao ne se prosterne-t-il pas devant l'Empereur? Si ça vous ennuie, ne vous prosternez pas. Je violerai le protocole. Pas de cérémonie aujourd'hui. Oublions le protocole. Que tout le monde se relève. Tout le monde se relève. Allez, relevez-vous. Allez, allez, debout. Relevez-vous. Marquis, Sa Majesté nous l'ordonne. Frère Yun Chang, s'il vous plaît. Votre Excellence. Je vous en prie, relevez-vous. Pas de préséance. Vous m'avez sauvé la vie, messire. Je dois vous honorer. Vous vous êtes d'abord sauvé vous-même. Il ne faut pas l'oublier. Messire Guan, vous êtes un héros. Vous m'avez sauvé la vie et c'est pour moi un honneur. Plus encore maintenant que vous êtes marquis. Ce n'est qu'un petit malentendu entre Cao Cao et moi.
Marquis Guan, nous avons effectivement eu un petit malentendu. Je retourne au travail. Bien. Comment allons-nous le résoudre, Seigneur Cao? Un peu d'eau fraîche. Il n'y a pas si longtemps, toutes ces plaines étaient encore quasiment à l'état sauvage. Nous sommes venus, nous les avons labourées et ensemencées. Nous avons fait venir beaucoup de gens de Luoyang. Et depuis 6 ans qu'ils sont là, pas un seul n'est mort de faim. Admettez que nous avons bien travaillé. La maison du vieux Liu chancelait, se fissurait de partout. Je l'ai aidé à la redresser. Pourtant, certains me reprochent au contraire d'avoir agi dans l'idée de l'effondrer. Alors je vous le demande à vous, qu'aurait-il fallu que je fasse? Je dois admettre, Monsieur Cao, que vous savez y faire avec les mots. Avec les mots? Comment ça? Ce n'est pas la vérité, je mens. La vérité, Monsieur Cao, est que vous contrôlez la cour. La vérité est que je contrôle la cour. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela? C'est ce que certains voudraient faire croire. Mais si je suis Premier ministre, c'est contraint et forcé par l'Empereur. Cela dit, je sais que cette fable a du succès. Et qu'elle durera sans doute encore 2000 ans. Mais ça ne reste qu'une fable. Il n'y a que 2 sortes d'individus pour se prêter à y croire. Ceux qui sont idiots et ceux qui sont mauvais. Liu Bei, lui, est mauvais. Vous, vous n'êtes qu'un idiot. Et Liu Bei profite de votre bêtise. Je vous aime bien, Guan. Vous êtes courageux, intègre et passionné. Restez. Travaillez pour moi. L'empereur le souhaite. Moi aussi, je le souhaite. Si les épouses de Liu Bei n'étaient pas vos otages, oseriez-vous me le demander? Marquis Guan, vous tuez uniquement quand vous y êtes contraint. N'est-ce pas? Cao Cao! Qu'est-ce qui se passe? Revenez travailler! Votre Majesté, Cao Cao vous force à travailler au champ. Asseyez-vous. Regardez, il travaille lui aussi. Que se passe-t-il? Il n'est pas convenable pour nous et notre cour de travailler de nos mains? Vous connaissez le dicton aux grands mots, les grands remèdes, tant pis pour le protocole. Vous n'avez jamais songé à abandonner le trône? J'ai beaucoup enduré, vous savez. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il m'a fallu subir. J'ai passé ces 15 dernières années à courir, de palais en palais, de ruine en ruine, sans manger à ma faim, à boire de l'eau croupie, des ministres de l'Empire mangeant leur père décédé, buvant leur sang. Répondez-moi, si l'Empereur ne dispose pas d'un toit, sur quel empire règne-t-il? La première fois que j'ai vu Cao Cao, vous savez ce qu'il m'a donné? Un bon bol de soupe, avec de la viande, du pain à l'étuvée et un lit. Dois-je comprendre qu'il suffit de si peu pour acheter l'empereur des Han? Cao Cao ne veut pas devenir empereur. L'empereur lui-même, selon lui, ne peut pas changer le monde. L'empereur a le mandat céleste. S'il n'admet pas cela, comment compte-t-il y arriver? En travaillant, avec toutes les compétences qui sont les siennes. Aujourd'hui, le royaume est entre ses mains, parce qu'il est le plus fort. Mais s'il l'est aujourd'hui, un jour, demain, c'est moi qu'il serai. Ce jour-là, Cao Cao me rendra le trône sans discuter. J'ai le mandat céleste, justement. Il ne pourra pas refuser de me le rendre. Bonjour, frère Guan. Frère Guan. Bonjour, Galopin. Dis-moi, comment va ton père? Mieux, j'espère. Oui, beaucoup mieux. Ah. Mais il doit continuer de prendre des remèdes. Ah. Bonjour, frère Guan. Bonjour. Vous avez de quoi vous nourrir? Je vérifierai. Oui, c'est fait. Nous sommes venus tôt ce matin. Oui, merci, frère Guan. Merci, frère Guan. Qui est ce gentilhomme? Seigneur Cao Mengde, votre seigneur. Mais vous êtes? Nous reviendrons. Qui sont ces gens? Ils sont arrivés ici il y a un peu plus d'un mois, mais ils n'ont trouvé ni travail. Ni nourriture. Ils sont votre peuple. Que faites-vous pour eux? Reposez-vous, je m'occuperai d'eux. Dès mon retour.
Frère Guan, il est méchant. Galope, attention à ce que tu dis. Hein. Monseigneur Kao est notre dieu de la prospérité. Tiens, tu achèteras des remèdes pour ton père. Va. Messire Kao. Frère Yunshang. Au revoir. Au revoir. C'est fait, mesdames. J'ai refusé de notre part à toutes les cadeaux de Kao Kao. Bien. Mes respects aux épouses de Liu Bei. Qilan, pourquoi ignorez-vous frère Guan? Considérez-vous qu'un vendu mérite le respect? Qilan, si Kao Kao l'a fait marquis, c'est par ruse, par intérêt. D'ailleurs, Liu Bei a une confiance totale en frère Guan. En tant que sa future épouse, vous devez en avoir autant. Vous ne doutez pas de son jugement, tout de même. Qui peut lire dans le cœur d'un homme? Les généraux de Kao Kao ne sont-ils pas tous des transfuges? Les prouesses du général Guan sont célèbres. S'il veut s'en aller, qui pourrait l'en empêcher? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il retrouve Liu Bei. Et qu'il attaque Su Chang pendant que Kao et Yuan sont en guerre. Ce serait bien vis-à-vis de frère Liu. Je suis de son avis. Laissez-nous, frère Guan. Pourquoi ne faites-vous pas comme le dit Qilan? Frère Guan, je vous en prie, retournez auprès de Liu Bei. Qilan, frère Guan sait ce qu'il doit faire. Vous êtes tous deux du Hedong. Vous devriez savoir quel homme il est. Je suis désolé de vous décevoir. Je vais me retirer. Qu'est-ce qui vous oblige à rester? C'est quoi ce travail? Refais-le. Attendez, attendez. Je vais vous aider. Maman? Ma fille, te voilà. Claire est rentrée? Non, pas encore. Il sera de retour demain. Allons-y. Disparaissez. Plus bas, c'est Guan Yuchang, il a été nommé général. Nous allons pouvoir revivre en paix maintenant que vous êtes là. Général Liu, je vous présente ma fille. Notre fille. Longue vie, général. Longue vie. Longue vie. Les hommes de Kao Kao sont revenus! Au nord! Au nord! Dire que Qilan, la future épouse de Liu Bei, ne connaissait pas Guan Yunshang? Je les croyais tous deux natifs du même pays. C'est comme je vous dis.
Nous avons des nouvelles de Liu Bei. Il s'était allié à Yuan Chao. Mais après que Guan a tué le général Yan Liang à Bema, Chao a juré de le venger en tuant Liu Bei. Mais ça y est, il l'a tué? On ne sait pas pour l'instant. Plus fort. Debout. Encore, père. Encore. Oui, je vous entends, mon fils. Reprenez la corde. Vous êtes du Hedong, vous aussi. C'est fier de l'être. Est-ce que vous savez cuisiner, la cuisine du Hedong? Pourquoi? Pas vraiment. Si, vous savez. Vous nous préparerez demain quelque chose de là-bas. Avec les saveurs épicées du Hedong, ceci devrait être très bon. Je vous sers. Il l'a préparé lui-même, du Yu Unche. Un alcool est un alcool. Pourquoi tous ces hommes autour du bâtiment? Vous craignez que j'ai l'alcool mauvais? Nous sommes en guerre. Les vivres sont comptés. Au point que j'ai proscrit de bouillir du grain pour en faire de l'alcool. Tout contrevenant aura la tête tranchée. Les buveurs sont également punis? Du même châtiment. L'alcool justifiera votre violence. Je vois que la peur vous empêche de boire. Une coupe ne peut pas faire de mal. Très bien. Guan Yu. Vous et moi, réunis autour d'une coupe d'alcool, vous avouerez que c'est pour le moins étonnant. Non, j'enfreins vos lois, c'est normal. Bien répondu. Général Guan, je ne vous apprendrai pas qu'en temps de guerre, les épices sont choses rares. C'est une recette de chez vous. Voulez-vous y goûter? Ça vous donne le mal du pays? Je n'ai pas de pays. J'ai renvoyé les épouses de Liu Bei à Liu Bei. Je vous rassure, avec une escorte de 50 gardes d'élite. Un acte de noblesse que je salue. Le général Guan Yu salue ma noblesse. Je ne le mérite pas, j'en suis indigne. J'ai salué la noblesse de l'acte, pas celle du donneur d'ordre. Vous avez raison. Je ne suis qu'un homme de modeste extraction. Allez, général. Acceptez la coupe de ce petit homme. Je ne suis moi-même qu'un roturier. Pourquoi me montrez-vous autant de prévenance? Si la prévenance pouvait apporter la paix, je me prosternerais devant vous toute ma vie. Je ne suis pas un stratège. Des stratèges, vous en avez? Comment pourrais-je vous aider à instaurer la paix? En restant, je ne peux que causer des troubles. Dites-moi ce que Liu Bei fait pour vous venir en aide, ou Zhang Fei. Vous ne pouvez pas approcher ses méthodes. Parce que nous ne sommes pas mus par la haine? Ni par la passion. Je vous le demande. Joignez-vous à moi. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Alors? Vous vous êtes montré généreux en libérant ces femmes. Et je vous le revaudrai. Mais Liu et moi avons fait serment de fraternité. Dès que j'aurai de ses nouvelles, je le rejoindrai. Si vous redoutez en me libérant de libérer un tigre, alors tuez-moi, sur le champ. Ne pourriez-vous pas être loyal envers moi comme vous l'êtes envers Liu Bei? Si vous pouviez acheter ma loyauté, que vaudrait-elle? Elle n'existerait plus. C'est vrai. Une coupe d'alcool, et tous vos chagrins s'envolent. Buvons, mon frère, et soyons joyeux, car la vie est courte. Celle-ci est de moi. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'occasion de l'apprécier. Qui, messire? Le descendant de Confucius. Hongrong, l'humble et modeste? Offrez-lui des poires. Il choisira toujours la plus petite. Offrez-lui une coupe d'alcool. Il vous en redemandera. Q-sec. Q-sec.
y est. C'est ici. Merci. Vous me disiez ne pas avoir de pays. Si je vous offrais une maison, des terres, accepteriez-vous de rester? Vous voulez dire celle-ci? Par exemple. Merci, Cao Cao. Merci. Je suis restée avec vous. Je serai toujours présente dans votre cœur. Mon cœur est vide depuis longtemps. Pourquoi ne me laissez-vous pas rêver? Si votre cœur est vide, de quoi rêvez-vous? J'ai drogué sa nourriture. L'effet durera au moins 4 heures. Et nous avons paralysé Killan à l'acupuncture. Que personne ne les dérange de toute la nuit. Belle-sœur, un peu de tenue. C'est un rêve, rien de plus. Pourquoi êtes-vous si sérieux? Rêver ne permet pas l'indécence. Vous n'osez pas m'aimer. Pas même en rêve. Il est arrivé pourtant que vous tuiez pour moi. Si j'ai tué, c'était pour vous sauver. Si vous ne parlez pas, comment pourrez-vous connaître les secrets de ton cœur? Si vous ne parlez pas, comment pourrez-vous connaître les secrets d'un cœur? Que vous ne parlez pas. Si vous ne parlez pas, comment pourrez-vous connaître les secrets d'un cœur? C'est absurde! Vous êtes promise à Liu! Descendez! Comment osez-vous? Qui êtes-vous? C'est frère Liu qui m'envoie. Il est à Ruyang. Il a rejoint Yuan Chao. Général Guan, j'ai accompli ma mission. Je dois mourir à présent. Je vous en prie. Je dois mourir. Général Guan ! Je veux voir Cao Cao. Le seigneur Cao a quitté la ville ce matin. Je ne sais pas quand il rentrera. Vous lui direz que Guan lui dit au revoir. Voici mes ordres. Puisqu'il veut s'en aller, qu'il s'en aille. Monseigneur, c'est relâcher un tigre. À chaque vassal, son seigneur. La guerre est imminente. Puisqu'il en est ainsi, il y a urgence à discuter de la stratégie à adopter vis-à-vis de Yuan Shao. Liu Bei et son armée l'ont déjà rejoint.
Guan Yu à leur côté, c'est trois tigres qu'il nous faudra combattre. Le conseiller a raison. Guan Yu Chang a compris qu'on l'avait drogué. Il va sûrement vouloir se venger. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai bien ordonné de le laisser s'en aller, n'est-ce pas? Vous ne m'écoutiez pas? Vous m'aviez dit, je crois, qu'un des généraux de Yuan Shao désirait nous rejoindre? Le général Zhang, un homme intelligent et courageux, mais le peu d'estime que lui porte Yuan Shao l'a incité à partir. Je peux comprendre Yuan Shao, un homme qui passe à l'ennemi pour si peu. Qui le voudrait avec lui? Vous nous l'avez présenté, à vous de décider. De l'intégrer à nos troupes ou de l'éliminer. Excellence, je vous remercie. Yuan Shao va nous attaquer. Sun ne laissera pas passer sa chance et se joindra à la bataille. Comment le contrer? Notre meilleur plan? Le prendre à revers avec 5000 hommes. Envoyer 30 assassins. Supprimer ses généraux. Bien, vous vous en occupez. Belle sœur. Bonjour. Nous partons. Merci, frère Guan, pour votre générosité. Merci, frère Guan. Que serions-nous devenus sans vous? Merci pour votre générosité. Merci infiniment. Relevez. Relevez-vous. Merci. Merci pour mes enfants. Merci, frère Guan. Nous vous soignons. Relevez-vous tous. Acceptez cet humble présent. Debout, tout le monde. Nous n'oublierons jamais. Relevez-vous. Merci, frère Guan. C'était des dons du seigneur Cao. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez-le. Nous venons tout juste d'arriver. Le seigneur Cao a tout arrangé pour nous accueillir. Oui, nous avons tout ce qu'il faut. J'en suis heureux. Le dieu de la prospérité a dit que c'était en quatre coups durs. C'est à toi qu'il l'a donné. Achète de quoi manger pour ta famille et écoute ta maman. Tu es un bon garçon. Prenez soin de vous. Frère Guan! Frère Guan! Frère Guan! Frère Guan! Frère Guan! Nous partons, belle sœur. Allez.
Laissez passer. Mon nom est Guan Yungzhang. Pas de laissez passer? Comment saurais-je qui vous êtes? Frère? Général, quelque chose ne va pas? Qu'elle descende, elle aussi. Vous contrôlez également les dames? Obéissez, ne discutez pas. Belle-sœur, je suis désolé. Moi, Kong Xiu, est pour ordre d'exécuter Guan Yu. M'avait donné sa parole. Je peux m'en aller. Quand je le veux. Ça, c'est entre vous et lui. Ce ne sont pas mes ordres. Qui vous a ordonné de me tuer, Cao Cao? Répondez, qui vous l'a ordonné? J'en ai reçu l'ordre de l'empereur. Whoa!
La route du sud n'étant pas sûre, demain nous prendrons par le nord. Je ne veux plus tuer personne. Ce qui est arrivé aujourd'hui, frère Guan, vous n'y êtes pour rien. Un soldat ne devrait tuer que sur le champ de bataille. Face à la violence, vous n'aviez pas d'autre choix. Je vous connais, je sais votre compassion. Elle n'a d'égal que votre habileté pour les arts martiaux, dont vous vous servez pour combattre le mal et garder la voie. Je suis intrépide, c'est tout. Je n'ai pas de talent particulier. Belle sœur, prenez ceci, au cas où. Et tous ceux que vous avez sauvés? J'en ai tué plus encore. L'aube se lèvera bientôt. Dormez un peu. La route sera longue. Ils sont de la confrérie. Allons-y. Hanfu! Vous vous souvenez de moi? Frère Guan. Quel plaisir de vous retrouver. Qilan, nouvelle épouse de Liu Bei. Que faites-vous ici? Tout va bien, j'espère.
Pas mieux que pour vous, d'après ce que j'ai pu voir. Tous ces chantiers en cours à Luoyang tenus par des hommes de votre confrérie. Ça, nous le devons à Dongzhou. Ce bâtard a brûlé la ville. Il n'a laissé que des ruines. Frère Han, vous pratiquez toujours les armes? Han Fu n'est plus le Han Fu qu'il était. Oh, dommage. Vraiment dommage. Vous qui étiez si réputé pour votre maîtrise du sabre, de la lance et des armes secrètes. Je ne pratique plus. Plus maintenant. Je l'ai trop chèrement payé. J'ai perdu ma maison, ma famille. Et si frère Guan n'avait pas volé à mon aide, j'aurais perdu sans doute bien plus qu'un bras. En période de crise, qui peut rester indifférent sans agir? Je dois vous parler. Le but de notre voyage à tous deux est de rejoindre Liu Bei à Huiyang. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? J'aurais pu en d'autres temps. Je vous ai suivi, votre frère et vous, pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai plus le goût de me battre. Je comprends. Je ne peux pas vous y forcer. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous trouviez un bateau. Pour Kilan et moi, pour franchir le fleuve jaune. Frère Guan, pourquoi continuez-vous à vous battre? Ne trouvez-vous pas qu'il y a eu suffisamment de morts? La guerre n'est plus ce qu'elle était. Avant, on se battait pour la paix. Sous Cao Cao, nous renaissons de nos cendres. Cela n'a pas été facile. Mais nous y parvenons. Et nous vivons aujourd'hui plutôt bien. Vous travaillez pour Cao Cao à présent? Je ne suis qu'un homme ordinaire. Tout ce que Cao Cao attend de moi, c'est que je vive et que je prospère. Vous opposerez-vous à notre passage? Frère Guan, je ne suis rien face à vous. Mais ce que l'empereur demande... Frère Guan, pourquoi n'avez-vous pas esquivé? Vous savez que c'est un poison mortel. Parce que nous sommes frères. Je vous ai donc laissé faire. Vous n'étiez pas mon ennemi. Vous l'êtes devenu. C'est fini, Han Fu. Vous n'avez pas esquivé. Nous sommes frères, Guan. Comment pourrais-je vous tuer moi-même? Meng Tan! Frère Han! Il va nous le payer le pourceau! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort! Thank you.
Frère Guan. Frère Guan. Frère Guan. Frère Guan. Frère Guan.
Guan. Qui êtes-vous? Vous qui venez tous les jours me regarder. Général. Vous m'entendez? Général. Qui êtes-vous? Général, vous êtes réveillé. Je suis le moine qui dirige ce monastère, Pujing. Vous m'avez sauvé. Merci. Asseyez-vous, général. Je n'ai fait qu'appliquer la médecine. Ces 15 derniers jours, Damoiselle Kilan n'a cessé de vous veiller jour et nuit, psalmodiant des sutras, priant Bouddha de vous protéger, avec une réelle compassion. Le poison a pénétré l'os. Je ne suis pas un grand médecin. Je n'ai pas pu totalement vous guérir. Et j'ai peur que par temps froid ou humide, la douleur se réveille et se rappelle à votre souvenir. Je m'estime déjà heureux d'être en vie. Et cela vous suffit. Il faut être bien portant. Ne pas endurer indéfiniment la douleur. Je n'ai pas votre sagesse. Je ne suis bon qu'à m'attirer des ennuis. Ah, vous savez, la plupart du temps, les ennuis nous arrivent malgré nous. Vous n'y êtes pour rien. Le général est parti. Avant son départ, il m'a demandé de vous accompagner jusqu'à Liu Bei. Il vous a dit où il allait? Non, il ne m'en a rien dit. Mais il m'a interrogé sur la route nord. Je le soupçonne de vouloir créer une diversion pour d'éventuels poursuivants. Et faire en sorte que vous arriviez sans encombre à Ruyang. Tu es donc Guan Yongchang. Et toi, Bianxi, qui a massacré 50 000 personnes à Bianzhou. 50 000 canailles. Des rebelles. Bon débarras. Il fut un temps où toi aussi, tu as été rebelle. C'est exact, du temps où je crevais de faim. Et la rébellion n'a rien changé. Vois comme je suis bien nourri à présent. Ne jamais t'empêcher de changer. Toi et moi, on est pareil. Pas du tout. Je n'ai jamais tué pour me gaver. Mensonge. On est pareil, toi et moi. Fais-le ! Ah!
Wan Chao a 100 000 hommes à Guangdu et 100 navires de guerre dans le port d'Etao. Toutes ses troupes sont en ligne. Il semble vouloir nous attaquer avec la force d'un lion contre un lapin. Yuan Shao voudrait être un lion, mais c'est une brute. On n'a qu'à se disperser et lui tomber dessus en petite escarmouche. Les lions, tout costauds qu'ils sont, n'ont qu'une tête et quatre pattes. Où Liu Bei a-t-il établi son camp? À Ruyang, avec seulement 10 000 hommes. Si Liu Bei a son camp à Ruyang, pourquoi Guan Yongshang va-t-il au nord? À Donling, Kang Xiu. À Luyan, Anfu et Mengdan. Et au col d'Ishui, Bianxi. Ils sont morts tous les quatre, tous tués par Guang Yu. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi? Ils obéissaient aux ordres, Votre Excellence, d'abattre le traître. Ils obéissaient? Aux ordres de qui? Je n'ai donné qu'un seul ordre, de le laisser s'en aller. C'est un peu bizarre, non? C'est une erreur ou de l'insoumission? C'est moi! J'en ai donné l'ordre. 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 Vous vous agenouillez. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est une rébellion, c'est ça? Répondez, ça en devient inquiétant. Monseigneur, ce n'est pas contre vous, Excellence Gao, mais Guan Yongchang est invincible, on ne peut pas le laisser libre. Vous vous agenouillez, vous aussi? Vous êtes également insoumis? La guerre est imminente. S'il vous faut un coupable, alors exécutez-moi et moi seul. Si vous croyez que ce sera suffisant, très bien. Monseigneur, Zhong Shu ne mérite pas la mort. Je préfère trahir plutôt qu'être moi-même trahi. Ce sont vos propres mots. Qu'aurais-je dit exactement? Je préfère trahir plutôt qu'être moi-même trahi. En effet, je l'ai bien dit. Relevez-vous, tout le monde. Vous avez raison. J'ai tort. Guan Yongshang nous reprochait d'être une bande de sans-cœur. Et c'est exactement ce que nous sommes. Tendez-moi votre main. Je ne contrôle même pas mes conseillers, mais je prétends gouverner le pays. Nous avons un cœur. C'est bien là tout le souci. S'il vous plaît, où est le bureau du gouverneur? C'est fermé pour tout le mois. À ce qu'il paraît, le gouverneur serait un homme corrompu, un être malfaisant. C'est lui qui a fait fuir la population de la ville? Non. Nous sommes menacés par une calamité. C'est elle qu'ils ont fui. C'est lui que je cherche, pas vous. C'est pareil. Que
Quel rapport y a-t-il entre vous? J'étais le bras droit du gouverneur. Je l'ai tué de mes mains le mois dernier. L'empereur a eu l'insigne bonté de me nommer, moi, Wang Ji, à sa succession. C'est vous qui avez fait évacuer la ville? J'ai appris que le général Guan allait au nord, tuant en route des généraux, laissant derrière lui des monceaux de cadavres. Je ne veux pas que mon peuple le subisse. Je suis assez téméraire pour tenter de le stopper. Vous êtes un homme bon. Je repars. Coup d'épée? Je n'y suis pour rien. C'est l'épée qui est excellente. Elle a beau être excellente, vous manquez d'entraînement. J'en suis conscient. Arrêtons-nous là. Vous êtes épuisé. Je ne suis pas épuisé. Inutile de perdre votre vie pour ça. Si je parviens, ne serait-ce qu'un peu à vous retarder. Bien sûr que si. Vous croyez que je m'en serais pris à la population? Vous savez, de nos jours, à qui peut-on se fier? Cao Cao m'a d'abord libéré, puis a ordonné ma mort. Je vous le demande, à qui peut-on se fier? Ce sont les lois impériales qui vous le disent. Si j'ai enfreint les lois de l'empereur, je veux bien être puni. Wang Ji, quand tout sera fini, je reviendrai chez vous. Pour y être jugé par vos lois. Des mots que tout ça, la guerre se poursuivra toujours. Avant-hier, un moine et une damoiselle fuyaient vers Ruyang. J'ai conduit un détachement sur la route de Nanyang pour leur offrir l'hospitalité. Où sont-ils? J'ai fait passer le message, comme quoi ils comptaient trouver refuge à Shudo. Vous devriez essayer de les retrouver, et vous feriez bien de les retrouver vite. Faute de quoi, il se pourrait qu'ils meurent de faim avant d'y être. Dites-moi où ils sont. Dites-le-moi, je ne vous épargnerai pas. Épargnez quoi?
J'aurais pas dû t'écouter. Ah, tais-toi, tu vas nous faire repérer. Allez, vite, vite, dépêchez-vous. Mon nom est Guan Yongchang. Je cherche une damoiselle, accompagnée d'un moine. Quelqu'un les a-t-il aperçus? Il a tué le gouverneur Vanji! Il a tué le gouverneur Vanji! Ne touchez pas mon petit! Ne touchez pas mon petit! Tuez-le! Tuez-le! Il faut venger, messieurs Vanji! Vengeance! Il a tué le gouverneur Vanji! Wangji n'était pas un meurtrier. Damoiselle Kilan est saine et sauve dans une auberge, en dehors de la ville. Si vous voulez la rejoindre... Ce sont des hommes de Wangji. J'ai pu leur faire tout ce que je voulais. Ils n'ont jamais voulu me dire où se trouvait Damoiselle Kilan. Pas avant que Messire Cao Cao ne soit arrivé, en tout cas. Ils auront donc tous la tête tranchée. Général Guan, si nous ne les tuons pas, et que la nouvelle de ce qu'ils ont fait se répand, votre réputation sera ruinée. Votre nom a jamais sali. Je tuerai moi-même les bourreaux. Vous ne serez jamais plus un héros. Vous jetez votre renommée aux orties. Je vous le répète, je tuerai moi-même les bourreaux. Le seigneur Guan Yunchan me demande votre grâce. Je vous l'accorde. Vous avez la vie sauve, mais que l'on murmure un seul mot sur ce qui s'est passé ici. Je dis bien, un seul. Et je vous détruis. Tous hommes, femmes et enfants. Merci. Frère Guan, à vous, le rôle du héros. À moi, celui du moins que rien. Louis Yang a connu le malheur, mais le soleil y brille à nouveau. Il n'y a pas de limite à vos bienfaits, Excellence.
Je regrette qu'au-delà de ces remparts, le malheur perdure. Le malheur, c'est ne voir les choses que d'un seul côté. Le bonheur, d'ailleurs, est exactement l'inverse. Tous deux sont dans votre regard. Ce que je voudrais, c'est ne voir que du bonheur partout. Mais je crains d'être né à la mauvaise époque. Si vous désirez, avec trop de force, une chose ou une autre, vous créez vous-même votre propre malheur. Il serait bien plus simple dans ce cas de ne plus rien désirer du tout. Le bonheur porte en lui le malheur, tout comme le malheur porte en lui le bonheur. La mesure de votre désir, c'est à vous de la fixer. Alors je devrais désirer moins. Les chevaux ont été nourris. Je vous remercie encore de nous avoir sauvés. Je vais me retirer. Merci pour votre enseignement. Infiniment. Adieu. Asseyez-vous. Et à vos yeux, je suis le bonheur ou le malheur? Ils sont tous les deux issus de ce que les uns ou les autres imaginent. Quand vous me demandiez de rester, vous attendiez de moi que je tue? Combien de morts faudra-t-il encore? Guan, vous êtes un héros. Un héros, dans le temps où nous sommes, ne peut pas ne pas tuer. Combien doit-il en tuer? Yuan Shao a une armée de 200 000 hommes. Qu'il en tue 20 000, et l'ensemble de ses troupes sera mis en déroute. Et que se passera-t-il ensuite? Ce sera la paix, selon vous? Ensuite, nous vaincrons, sur les Sun. Puis nous stabiliserons les frontières, à l'ouest du pays. Et ensuite? Nous aurons alors unifié le royaume, et tout le reste en découlera. Et je crois que la paix régnera. Vous pouvez le garantir? Non, on ne peut pas compter sur les hommes. Seul fonctionne l'ordre et la loi. Mais les hommes n'étant que des hommes, tout sauf droit, comment ferez-vous les lois? Il n'y a aucune chance que les hommes soient droits dans un monde de haine. Avec 20 000 morts de plus, vous ne croyez pas que ça augmentera davantage les haines? Sans doute, mais c'est le plus petit prix à payer. Et si plutôt je tuais Yuan Shao? Si vous le tuez, vous en sauverez 20 000. 20 000 vies seront sauvées. Où est-il actuellement? Vous acceptez? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah. Après avoir tué Yuan, je retournerai à une vie ordinaire. C'est impossible. Être un héros, c'est pour toujours. On ne revient pas en arrière. Et autre chose, Liu Bei voudra se venger. Raison supplémentaire de venir à Shudo avec moi. Liu est un homme charitable et il a le sens de la réalité. Il acceptera, j'en suis sûr. Je ne suis pas inquiet. Si j'acceptais de vous accompagner, je ne saurais pas quoi faire. Il vaut mieux que je rentre et m'occuper de ma ferme. D'accord? D'accord. C'est comme vous voulez. Messire, vous pensez que Guan Yongchang restera avec nous? Frère Zhang, savez-vous pourquoi un bon cheval ne broute que de l'herbe verte? Il la préfère à l'herbe sèche. Exact. Liu Bei, c'est du passé. Moi, Cao Cao, je suis beaucoup plus vert. Belle sœur, le passeur vous fera franchir le fleuve. Je vous dis au revoir. Frère Guan! Frère Guan! Belle-sœur? Attendez. 1000 lieues de voyage et il faut se séparer. Cao Cao, vous avez drogué cette nuit-là. Moi, pas. Je n'ai aucun doute sur ce que sont vos sentiments. Quand nous serons à Ruyang, je demanderai à Liu Bei de me marier avec vous.
Ne soyez pas sotte. Vous lui êtes promise. Comment pouvez-vous dire cela? C'est vous que je veux. Je ne veux personne d'autre. Vous avez pris de grands risques pour moi. Ils resteront à jamais gravés dans mon cœur. Ce que vous aviez fait, alors pourquoi ne m'en avez-vous rien dit? Ne dites pas que vous ne m'avez jamais aimé. Si vous m'aimez, vous aussi, je suis certaine que Liu Bei consentira à notre mariage. Dites-le que vous m'aimez. Dans le cas contraire, m'aimerez-vous encore? Adieu. Il ne faut pas aider Cao Cao. Posez ce couteau. Seriez-vous devenu l'ennemi de Liu Bei si je ne vous aimais pas? Vous ne comprenez pas. Liu Bei, lui seul, pourra nous apporter la paix. Un homme comme Cao Cao ne fera qu'aggraver les choses. Je ne veux faire qu'un peu de bien. Je n'ai donc pas d'autre choix que de tuer. Il semblerait que la réponse soit non. S'il vous plaît, dites à frère Liu que Guan Yongchang est mort. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Et ne vous inquiétez pas. Liu Bei et moi sommes frères, jamais je ne l'abandonnerai. Prenez soin de vous. Messire, vous voulez qu'on aille voir? Les héros eux-mêmes peuvent succomber parfois à la beauté. Protection rapprochée! C'est vous qui avez ordonné cela. C'est vous. Tuez-le. J'allais ordonner. Yeah.
Il le fallait. Si c'est la paix que nous voulons, comment pouvons-nous le laisser en vie? Vous ne pensiez pas que j'oserais. Alors allez-y, tuez-le. Sans quoi, à partir d'aujourd'hui, ce sera la guerre. Nous ne connaîtrons jamais la paix. D'accord. Je ne vais lui laisser aucune chance. Votre Majesté, nous devrions partir. C'est impossible. C'est ça. On ne peut désobéir à l'empereur. On ne peut désobéir à l'empereur. On ne peut désobéir à l'empereur, même au prix de sa propre vie. Ma vie ne m'appartient pas, Seigneur Guan. Et c'est pareil pour vous. Yao, ôtez-vous de mon chemin, ou c'est la mort. Touchez un poil de sa barbe et vous périrez de mes mains. Frère Guan, posez les armes. Vous êtes un mauvais chef, à qui on ne désobéit pas. Je vais tuer ce mauvais chef. Je suis l'empereur, j'ai le mandat céleste, vous ne pouvez pas me tuer. Vous avez le mandat, je suis le gardien de la voie. Guan Yunchang, vous ne pouvez pas tuer l'empereur. Ce serait le pire que vous puissiez faire. Ce serait précipiter le chaos. Ça voudrait dire encore plus de tueries. Des morts se comptant par milliers. Vous comprenez? Est-ce que vous mesurez la portée de cet acte? Elle était votre belle-sœur. Elle était promise à un autre. Vous espériez quoi de cette femme? Dès que la paix sera instaurée, je vous fais promesse de tuer moi-même ce mauvais chef! Et je tiens à mes promesses. Je suis un homme de parole. Sœur, nous rentrons.
Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache que ce sont des loups déguisés en agneaux qui ont tué Guan Yu. Vous voulez parler du seigneur Sun Quan? De Sun Quan et de ceux qui étaient avec lui, à savoir Liu Bei et Kong Ming. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache que ce sont ces hommes qui ont tué Guan Yu. Donc la guerre est plus que jamais déclarée. Et inévitable. À la différence qu'aujourd'hui, Guan Yongchang ayant été tué, l'issue finale du combat sera difficile à prévoir. Je n'aurais jamais cru que vous vous serviriez de lui jusqu'après sa mort. Je n'ai jamais laissé entendre que j'étais un agneau.情丝缠在我和他的梦里，爱不尽。
在寒问自己，冬春秋冬的事情。